deux extérieurs, deux morceaux et les côtés. Voilà. On va molleton sur l'extérieur. Ça aussi, molleton sur l'extérieur. Mais d'abord, on coude ça avec cela. D'abord, coude ça. Vous pouvez regarder la photo sur l'explication. Après, coude ça. Quand on finit, c'est celui-là. Après, vous le dentelle, les pelles. Voilà. Quand vous finissez celui-là, voilà. Coude ça avec côté tout. Voilà. Ça, j'ai déjà cousu. Voilà. Mais après, on va coudre l'autre. Ici, on va cranter. Ici, les ronds, là, les ronds, on va cranter un petit peu. Un petit conseil, quand on t'en coud, on va coudre, commence ici, mais pas avec ça, pas avec, par exemple, pas avec ici. Pourquoi? Parce que ici, quand on a coudre, c'est très important, parce que on va ici sur la ligne. Si vous finissez, c'est bien les sacs, les formes. Si on va regarder ici, peut-être quand on a fini, c'est pas les sacs, c'est pas la forme, c'est pas bien. Fini les externes. Maintenant, on fait intérieur. J'ai déjà, c'est la même chose que extérieur. J'ai déjà cousu. Hein? Maintenant, on va cousu le côté. Tout épingle. Le côté, j'ai déjà cousu, mais attention, dans l'intérieur, le pochette, on a cousu, commence ici, mais jusqu'à ici. On va laisser ici, pas coude.
pour le après pour le retourner. Laissez comme ça. On va pas coudre jusqu'à commence ici, coudre ici, après commence ici jusqu'à ici. Ici, on va laisser les trous pour le retourner. Retourner. Un doigt avec un doigt. On va coudre tout autour. Tout. Mais ici, très important, on va cranter. Retourner ici. Voilà. Ici, c'est très important, on va cranter ici. Cranter pas quand on va retourner, c'est pas bien. On va cranter, c'est toujours pour le arrondi et les coins. Voilà. On va retourner ici.
être passé en Maintenant, au coude. Fais-moi. D'abord, on va faire le milieu. On fait comme ça. Voilà. Ici, c'est le milieu. Ok. Et de l'autre côté aussi. Fais-moi les trous, c'est intérieur, c'est pas dehors, donc on peut pas utiliser les épingles pour le bloquer. Bon, je fais les filles pour les coude. Ça fait moi que cela, on peut pas utiliser l'aiguille trop long, sinon on peut pas passer les trous. Parce que les trous c'est intérieur, c'est pas comme l'autre fait moi. Ce fait moi les trous, c'est pas extérieur, c'est intérieur. Ça, c'est le extérieur. Ici il n'y a pas les trous. Voilà. Donc quand on coude, là on va utiliser l'aiguille pas trop long. Le petit c'est mieux. Ça aiguille c'est 3 cm long. 3 cm. Voilà. J'ai déjà coude ici pour bloquer. Et l'autre côté aussi, c'est pareil. J'ai juste pour le coude premier trou. Avec les projets. Et avec le côté. Avec les tissus, voilà. Juste pour pas bouger, pour bloquer les projets avec les feux, moi. On commence à milieu. Ici, c'est le milieu. Bien rentrer les tissus dans le fémur.
prend les fils solides, hein. Ici c'est fini, on va recommencer l'autre côté, voilà. Et ça aussi tout fini. Mais après pas oublier fermer le truc là, j'ai toujours oublié.